nazis du Chapelle. Certains de nos invités plus fous se sont incrustés tôt dans la fête. Et en parlant de fous, j'entends vraiment psychotique. Petit avertissement, si vous voyez des fous bavants, hurlant à la lune ou ronronnant comme un chat, faites votre devoir civil, allez-le, mettez le bras autour d'eux. Faites l'heure que vous vous sentez consulté avant de leur tordre le cou. Ensuite, posez vos fesses de fainéant dans les jardins. Je vous compte une petite surprise, il ne veut pas être dérangé. De personnel, Patou. Harlem a déchu. Elle ne fait plus partie du tableau. Partie? Je la considère comme morte. Tu saisis l'idée? Comment ça se passe chez toi? Tu punis ceux que tu as engagés s'ils te déçoivent ou cette tenue ridicule est-elle une punition suffisante?
Caché qui était presque invisible.
La carte t'aidera, Batman. Je dois suivre la trace d'Harley Quinn. Je
ne peux pas perdre de temps à chercher la fabrique de Titan. La bête était trop forte. Sa sauvagerie faillit me coûter la vie. Je passais ma frustration sur un patient isolé. Un schizophrène paranoïaque, d'après son dossier. Alors que je le battais à mort, ses plaintes en dirent long. Ses confessions furent lumineuses. Tout devint clair. Je suis impressionné. C'était l'une des plus ardues. Entretien avec un patient. Pamela Lillian Eisley. 12 novembre, 11h33. Bonjour Pamela. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien. Aujourd'hui est un jour spécial. Que voulez-vous dire? C'est l'anniversaire de ma nouvelle vie, quand j'ai trouvé mon vrai moi, ma destinée. Vous faites allusion à l'événement avec le docteur Woodrow? Oui, à quoi d'autre? À l'époque, je pensais que Jason m'avait empoisonné, mais avec du recul, il m'a rendu un énorme service. Et pourquoi croyez-vous qu'il vous a aidé? Il m'a montré le plus grand monde, un monde que je devais protéger. Bien sûr, ma première offre a été rejetée. Offre? Vous avez essayé de tuer tout le monde à Gotham? Parfois, il faut aller dans le vif du sujet pour avoir une meilleure pousse. Bon sang, c'est quoi ce truc? Je sais pas. Le Joker prépare quelque chose. Ouais, et ça sent pas bon. Il se prend pour Dieu ou quoi? À vouloir jouer avec le corps des gens? S'il laissait ça sur moi, je démissionne. Moi aussi. Cet endroit est déjà assez flippant sans ces monstres en liberté. Batman ferait bien de pas nous chercher. Vous êtes Seven? Regardez en bas, il y a quelque chose, et ça ne me plaît pas! On écoute le patron. Le Joker disait vrai, il y a quelqu'un! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on va faire? La ferme, on ouvre l'œil! On laisse là, on se sépare pour choper Batman! Attends, je couvre! Oh, il manque quelqu'un! Je suis perdu dans mes comptes! On écoute le patron! C'est pas vrai, encore un homme à terre, ici! Allez, debout! Merde, il est à chaise! Comment il peut faire tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Faut le trouver, sinon c'est notre tour. C'est pigé! Batman? Hé, tu m'entends? Montre-toi!
Il est au milieu de la pièce, au milieu. On ne voit que lui. Vous avez besoin de lunettes, banditio. On écoute le patron. Il est là, à terre, par ici. Qu'est-ce que tu fous ? Je suis sûr que ça vient de là-bas. Vraiment, il nous a tous battus. Encore ? Qu'est-ce qu'il vous faut ? Une armée de monstres ? Il faut arrêter ça. Avant que ça aille trop loin. Arrêtez ! Tout le monde crève d'envie de voir la suite du plan. Relâche-le. Allez. Vraiment ? Ok, si tu le dis, Batman. Non ! Il faut vraiment que tu te bouges, Batman. À ce rythme, tu ne mourras jamais. Je dois couper le courant dans cette pièce. Pamela Lillian Isley, 14 novembre, 10h10. Bonjour Pamela. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur une chose que vous m'avez dite la dernière fois. Demandez-moi ce que vous voulez. Vous avez dit que votre première offre pour aider Gotham avait été rejetée. Comment pouvez-vous croire une telle chose ? Que voulez-vous dire ? Vous avez libéré des milliers de spores toxiques dans Gotham, tué des centaines de gens. En quoi cela est-il ? Les corps ne m'intéressent pas. D'horribles tas de chair détruisant mes pauvres bébés avec leur cupidité et leur arrogance. Mais n'êtes-vous pas un de ces tas de chair ? Vous étiez médecin aussi. Comment pouvez-vous nous tourner le dos ? Assez facilement, comme vous le voyez, mais pas à vous, Stéphane. Vous êtes différent.
Je sens un lien entre nous. Ah oui? Vraiment? Bien sûr. Stop! Pitié! Je ne suis rien du tout! Je suis inutile! T'as de la chance que le patron ne va pas te faire de mal. Il a dit que tu serais la paille idéale. Je puis pas. T'as rien de spécial. Il viendrait te sauver. Ouais. Et au cas où quelqu'un voudra essayer, on est prêt à l'accueillir. Batman vous arrêtera. Vous le savez. Batman? C'est pas lui qui me fait peur. Tu vois Higo là-bas? Il aime bien les lames. C'est Batman! Vous ne tiendrez pas une minute contre Batman! Vous pouvez me libérer, Batman ! Merci. Ça va ? Ça va. Je ne fais qu'une bouchée des voyous. Que faisait-il ici ? Ceux qui ne me frappaient pas ont commencé à toucher les commandes d'alimentation, là-bas. J'ignore pourquoi. Je pensais que les jardins seraient le dernier endroit à intéresser ces cinglés. Il n'y a rien de logique ici. On dirait que le Joker a piégé ce boîtier de commande. Ce sera plus difficile qu'avant, mais il faut vraiment que je prenne ce risque. Que j'ai coupé le courant de ce générateur. Je reste ici. Les gars du Joker essaieront peut-être de reprendre le générateur.
On sent qu'est la charme de mon Batman. Toujours un train d'avance. Dans très peu de temps, je serai à la tête d'une armée de monstres titans. Imagine, moi, porté dans les rues, marchant sous les corps de tous ces citoyens innocents. Ça va être magnifique! J'ai trop hâte!